Alors bonsoir à tous, bienvenue au vendredi, c'est Web TV. Ce soir, je n'ai pas de papier avec moi. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous expliquer. Cet après-midi, nous avons eu la visite d'élèves du lycée Modeste Leroy qui, du coup, nous ont fait nos informations. Donc, on espère que ça va bien se passer, qu'ils n'auront pas trop peur. On vous laisse voir ça en images. Alors, bonjour, je vais vous présenter l'association Les Premiers Pas. Elle organise sa foire à la périculture le dimanche 9 octobre à la salle de Gérard Philippe à Gravigny de 9h à 17h. Le samedi 8 octobre à 16h, il y aura l'inauguration de l'aire de jeu du carré de biodiversité à Gravigny. Bonjour, l'Amical Lake de Gravigny propose des sorties pour 2022. Le samedi 12 novembre au théâtre Bombino, Carré Or. Le samedi 26 novembre, Cabaret Melrose. Et le jeudi 15 décembre, Paris by Night. Alors, deuxième partie de nos informations pour cette semaine au niveau du territoire du PST, avec du coup, comme on vous l'a dit pour la première partie, des élèves du lycée Modeste Leroy qui viennent du coup présenter nos informations cette semaine. Alors, les rendez-vous octobre-novembre de la ville de Gravigny à ne pas louper sont les inaugurations, le salon de la peinture, l'art dans la rue, la foire à la puériculture, les foulées vertes et d'autres à voir sur la fiche. Pour les ateliers enfants-parents Baby Gym, ils auront lieu le samedi 8 octobre, le samedi 22 octobre et le samedi 19 novembre de 9h30 à 10h15 à la salle de sport rue d'Aviron à Gravigny. L'inscription est obligatoire, le nombre de places est limité et c'est pour les enfants de 1 an à 3 ans, enfants non scolarisés accompagnés de leurs parents et c'est 3 euros par enfant. Ensuite, pour l'USG tennis de table, l'équipe première régionale 4 joueront contre le Passy-Ménil le 9 octobre à 9h, puis le 23 octobre à 9h contre le CS Offray 2, le 20 novembre 9h contre le TS Bolbec 1, puis le 11 décembre 9h contre le Drucourt TT1. Et pour finir, nous aurons le droit à un festival sur l'environnement appelé Génération Durable en collaboration avec l'asso NR du 6 au 14 octobre 2022. Donc on aura des films, des documentaires, des avant-premières, des rencontres et des animations. Donc on pourra les retrouver par exemple à Gravigny le 12 octobre, à Beau-Sainte-Croix, au Cadran, etc. Et l'entrée est libre. Alors, on est toujours avec des élèves du lycée Modeste Leroy pour l'émission de ce soir. Donc, nous sommes sur la troisième partie de nos informations. Et on va commencer par quelque chose de musical. Ce vendredi 7 octobre à 19h, il y a le Jam Session Acoustique, ancienne rue de Liton à Saint-Germain-des-Angles, au Petit Café de Pays, ouvert au grand public et gratuit. À partir du 8 octobre, à Rue de la Paix à Gravigny, exposition Art dans la rue. Ce samedi 8 octobre ainsi que le 22 octobre et le 19 novembre de 10h30 à midi, vous pouvez aller à un atelier bricolage pour les enfants de 3 à 6 ans à la Maison des Solidarités au Centre Social du Cap Nord-Est. Le samedi 22 octobre, à la salle des fêtes de Gossiel à 19h, sera organisée une soirée dansante dans le style des années 40 avec une ambiance militaire organisée par l'organisation Allied Reconstitution Group. Et le dimanche 23 octobre 2022 se déroulera les foulées vertes de Gravigny. Le départ se fera à la Maladrerie pour différents types de kilomètres. Pour les enfants, ce sera 1 km 3, pour les jeunes 3 km 3, pour les randonneurs 8 km 5 et les seniors 14 km. Ceci est organisé par l'association AOCPHS. Alors voilà, vous venez de voir les informations qui ont été faites par les élèves du lycée. Il y en a qui étaient stressés, il y en a d'autres tout salés, il y en a d'autres qui ont bien aimé. On les a réinvités bien sûr à venir faire une émission avec nous s'ils le souhaitaient bien sûr. Et les professeurs étaient contents de leur prestation. Du coup, je clôture cette émission du vendredi CWeb TV. On remercie bien sûr les élèves du lycée qui sont venus présenter les informations. Et on vous retrouve vendredi prochain pour de nouvelles aventures de la Web TV, car le vendredi, c'est Web TV Show.